une étape plate, mais avec beaucoup de pluie, donc c'était vraiment pas facile. Il fallait beaucoup de concentration. Et bon, à la fin du compte, c'était vraiment une bonne décision de neutraliser le circuit pour les favoris. Donc je pense qu'on a eu une journée plus ou moins tranquille. Mais bon, ça va changer demain. Il y a une semaine, je vous demandais comment c'était, si vous vous sentez bien dans ce maillot blanc, ce rôle de leader d'équipe. Maintenant, vous avez le maillot rose. Comment vous avez affronté la montagne? Vous avez affronté des étapes piégeuses, des étapes plates. Comment vous vous sentez dans ce maillot rose? Ouais, bah, c'est super. Hein, c'est super d'être leader d'une grande course comme Giro. Donc, non, je me sens très bien. Je me sens en pleine forme. Je pense que je l'ai montré, mais demain, il faut voir comment ça se passe. Demain, vous attendez quoi demain? C'est une étape particulière, dure, mais la dernière ascension est assez loin de l'arrivée. Ouais, c'est loin de l'arrivée, mais c'est vraiment une journée très très dure et j'espère d'avoir du beau soleil et pour tout le reste, je pense qu'on va vraiment voir comment ça se passe dans la course.